Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Comme promis, nous allons commencer le test du décrassant moteur diesel de Bardal. Comme se dit dans l'annonce, c'est pour du diesel. Voilà, même principe que l'autre, à peu près laisser sur la réserve, rajouter le produit et mettre à peu près 20-25 litres de gasoil et rouler jusqu'à terminer les 20-25 litres et après remplir normalement. Donc voilà, pareil, c'est pour nettoyer les injecteurs, le catalyseur et FAP, 20 EGR, admission et turbo. Donc voilà, pour ce produit-là, comme c'est un diesel, c'est toujours beaucoup plus encrassé qu'une essence. Je vais faire sur environ 1000 km le test. Donc là, je vous fais la présentation, je vais rouler 1000 km et vous faire un retour sur le produit. Donc voilà. J'ai pas de doute sur l'efficacité vu que ça a bien marché sur l'essence, donc sur le diesel ça devrait marcher autant. Donc voilà, pareil, même principe, c'est un bidon d'un litre. Donc voilà, avec sa petite pipette pour mettre dessus, les visser. Je vais vous faire une petite présentation rapide de plus près. Donc je vous dis à du suite pour la mise en place dans le réservoir du véhicule. Sachant que le véhicule c'est un diesel utilitaire de Citroën qui roule que des petits parcours, donc bien encrassé quoi. Donc voilà. Allez, à de suite sur le véhicule pour la mise en place du produit dans le réservoir. Bonjour les amis, bonjour. Voilà, suite à la mise en place du produit, j'ai fait 900, je vous dire ça exactement, j'ai fait 965 km avec les 25 litres plus rajout du plein dans le bac après avoir épuisé les 25 litres que j'avais mis. Donc voilà, et les résultats sont très intéressant. Alors il y a une baisse des fumées parce que ça fumait beaucoup je trouve, et ça fume beaucoup moins, ça fume comme un diesel quoi, ça fume plus comme un moteur à charbon. Le moteur est beaucoup moins bruyant et beaucoup ça a bien baissé, on retrouve un claquement digne d'un diesel normal on va dire. La consommation a baissé aussi, de l'ordre comme un peu sur les essences, de l'ordre de 1 litre 3 à 1 litre 5 en baisse de consommation, donc très intéressant. Le moteur a beaucoup plus de peps au démarrage en tapant dedans etc, on voit qu'il respire beaucoup mieux aussi. Donc voilà, donc c'est mon retour sur le produit après 965 km exactement sur un diesel. J'ai roulé beaucoup plus que l'essence, comme j'avais dit au début, parce qu'un diesel, c'est beaucoup plus encrassé. Donc ça a bien marché pour moi. Donc voilà. Moi, pareil, pour celui de l'essence, je trouve que le décrassant moteur diesel Bardal marche très bien aussi. Une efficacité remarquable pour un additif. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. Testez le produit. Et faites des retours dans les commentaires si ça a changé comme pour moi. Donc voilà. Bon les amis, je vous dis à bientôt sur Ticoc la bricole. Et puis essayez le produit. Et vous allez voir. Pour moi ça a marché. Allez, à bientôt.